rappelle dans le chat, les amis, moi je joue avec le clavier, ma sœur avec la souris. On est en splitté, littéralement. On n'ose déjà plus parler. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Plus personne n'ose appuyer. T'es prête? Bah, de toute façon, faut qu'on essaye d'aller à l'entrée. Ta gueule. Il va nous niquer là, on est foutus. Mais c'est quoi tout ça? Mais c'est quoi ce bordel? Et c'est écrit safe, safe de quoi? Oui, c'est sauvegardé, safe, non? Non, safe, genre en sécurité quoi. Oui. Pas safe, mais... Mais c'est quoi cette merde? Mais c'est un signe qui est tout ça là, non? Bah pour moi oui, c'est en mode... Bah ouais, mais la bonne voie, il n'y avait qu'une porte et il n'y a rien dedans à part un médic... Et un cadavre. Je suis trop angoissée, hein. On est morte, hein. J'aime pas du tout le bruit qu'il fait. Bah, c'est foutu. On va essayer de courir, mais c'est bon. Mais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. On va pas loin finalement. Mais putain de merde, y'a le casier au fond! Y'a quoi? Y'a le casier au fond pour se cacher! Pourquoi t'as fait bac? Ah non, moi j'ai pas vu le casier, j'ai vu juste la de crever. Genre, je sais pas comment j'ai repris la souris à 3 PV, j'ai réussi à me cacher, il nous reste que 3 PV. Je savais plus qu'il y avait un casier, moi, ici. J'ai le cœur, il va crever, Lisa. Genre, mon cœur, regarde mes battements, je te mens pas, regarde, je suis à 102. Ça va bien se passer. Je suis mécanée. Ouais. J'ai eu trop peur. Ah oui, mais j'ai vu. Mais on est dans la merde. Les seringues... Attends, non, je vais essayer d'utiliser les seringues. Je sais pas du tout, le temps qu'ils partent. 3 PV. Il nous met un coup, on crève. Mais on est à côté de la cuisine. De la piscine. Ouais. On est à côté de la piscine. Sauf que le problème, c'est que on n'a pas de sauvegarde. On a la télé face à nous, mais c'est une sauvegarde. Et cette sauvegarde, on l'a déjà utilisée. On est dans la merde. On est dans la merde. J'ai pas compris ce qu'il a dit. J'ai pas entendu. Ça me paraissait malsain. Ta gueule. Merci Bouboule pour l'abonnement offert à Claire, c'est très gentil, des gros bisous à toi. Merci beaucoup pour le subscribe. Là, il y avait une flèche, est-ce qu'on ne blanche pas cette flèche, mais à l'inverse, tu vois. Oui. Ta gueule. C'est la sauvegarde. Donc là, on se met à l'inverse de la flèche, on continue. Ouais. Merci beaucoup, Kia, pour ton 8e mois d'abonnement. Des gros bisous aussi. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Tu me fais quoi avec tes signes, je comprends rien. Enfin, cours. Vas-y, avance, ok. Je le montre à la commu, hein, nous ne sommes pas des menteuses. Nous avons 3 PV, tout le monde l'a vu. J'ai désactivé volontairement la cam pour vous le montrer. Nous avons 3 fucking PV. Tu prends un coup, c'est fini. C'est instant mort, c'est horrible. Il nous manque un seul objet. Donné, on passe cette pince. Sur les... Oh, ouais, à 2 doigts de la connerie. On arrive à choper la pince. Non, on a la pince. Putain. Oui, maintenant, faut qu'on retrouve la porte... Le truc fermé à clé, là. Ouais. Et si ça s'est fermé à clé, je pense... Et ça, c'est encore, c'est de l'autre côté de la piscine, en longeant en plus au fond, là. Ouais. Là, c'est chaud de ouf. Hein. Là, on va longer les murs et mettre la... Il faut qu'on repère... Et il faut qu'on repère les casiers. Où sont les casiers? Ouais. T'as vu la grande table, là, où t'as à chaque fois la peluche qui tombe? Ouais, et à chaque fois, elle se remet, hein, la peluche. Hein. C'est fou. On va où? Bah là, on attend un peu et puis on y retourne. Attends. Et tu voudras qu'on passe par où? Faut qu'on retourne là où t'as la piscine. Bah du coup à gauche. Dès qu'on sort, on va à gauche. Faut fermer la porte. ta gueule. Mais t'es une malade, toi, hein. J'ai peur. Dès que tu le vois, tu lâches la souris, putain, y a plus, on est deux dans l'histoire, c'est toi qui as la souris. Mais non, mais... J'ai mal au cœur, je veux faire un malaise. Je savais plus où il était, le casier. Moi non plus. J'ai vu que les chaînes, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. La vache. J'ai le cœur, il va lâcher, hein. Chaque fois qu'on sort, ouais. Il tourne la tête. Oui, non, mais oui, mais c'est chiant. Ça. Attends, le canapé en cuir, c'est pas ça? Un petit canapé en cuir? Il dit qu'il y avait une porte en grillage. C'est pas ça? Non, ça c'est peut-être un fauteuil, ça. Ouais, regarde autour. Ok. Du fauteuil. Gueule. Putain, c'est ce qui est écrit. Merci beaucoup Osiris pour ton abonnement. C'est écrit maintenant, partez si vous le pouvez, genre. Trouvez une sortie. Oh, je suis en panique. Trouvez une sortie. Putain, non, s'il te plaît, on a fini. Trouver une sortie de quoi? Je suis stressée de ouf. Merci beaucoup Osiris pour ton 9e mois d'abonnement. Des gros bisous. Ok, attends, je me place bien. Les lumières, elles sont passées au rouge. Attends. Je sais pas. T'es prête? Ouais, je sentais que ça tirait sur mon truc. Ready? Oh, j'ai fini le jeu. Comment? Attends, attends, attends. Le son, le son. And we are rolling. Nice one, Drake. Ça, c'est Drake. Look at these fools trying to skate. Come on, man, do something cool. You want to be famous, right? Oh yeah, Drake! Woohoo! Et c'est là où on a glitch. Donc c'est ce moment-là où on glitch. Ça va recommencer. Oh non, putain. Et tu sais que j'étais en full panique. On a fini le jeu, c'est ouf. Oh non. Me dis pas qu'on va glitcher. Oh shit. He's not breathing. He's not breathing. He broke his fucking neck. Oh my god. Shit. Fuck. Get out of here now. retourne en arrière. Hey Liam, Drake, come check out this little wimp. What a fucking idiot. What's he doing all alone here? Il dit qu'est-ce que tu fais là ici tout seul? Grab the hammer. Prends le marteau. Liam, get his bag. Let's go lock him up. Je crois qu'il dit au mec get the hammer, let's go. Prenez le hammer, prenez le marteau, prenez le marteau, go go. Let's lock him up in Liam's house. Have some fun with this little shit. Je crois qu'ils disent qu'ils vont s'occuper du gamin. Ils sont trois en tout. Il y a le mec qu'on joue et deux autres mecs. Et le petit. C'est ça la radio. Ok. Donc le petit, là, je vais traduire. Le petit Timmy, âgé de 11 ans, et était en train de marcher sur le retour de la maison, genre, ça, il était sur le retour de la maison. Et il a été kidnappé. Sa mère a placé... sa mère supplie le tueur de ramener son fils. Saying she wants... elle le supplie en gros de rentrer à la maison, de le ramener à la maison, comme ça lui fera son plat préféré. Les spicy fried chicken, donc je pense que c'est du poulet frit. Le corps de Timmy a été retrouvé 2 jours plus tard dans la forêt de Lockland. Il a été retrouvé avec sa jaquette préférée, jaune, sa petite jaquette jaune et un jean. C'est en fait les vêtements avec lesquels il a été kidnappé le jour où il est parti de chez lui, quoi. Oh non! Il a pas été kidnappé. Attends, je vais lire le truc. Attends. Ok. Pour pas... Putain, ça passe tout seul, je savais pas. Ok, donc volontaire, on va aller checker une vidéo. Ne regarde pas le chat, on va checker une vidéo. Attends, c'est super chaud là ce que je suis en train de lire. Ouais, il a été tué. Le petit a été tué. Donc le petit qu'on voit sur la cassette a été buté. Et on entendait dans la cassette, prends le marteau, prends le marteau. Ça c'est... Ça je me pense. Attends, on va lire après plus tranquillement, d'accord? On lira plus tranquillement, parce que je savais pas qu'en fait c'était timé. Petit Timmy avec sa veste favorite, après avoir mangé son poulet chicken, il était heureux. Enfin, genre, si heureux, quoi. Location with Paul Art, donc Paul Art c'est nous. One of the killer had the accident, some on his blood can still be... What the fuck? Attends, donc nous on est le tueur? Liam, Drake, Paul... Nous, on est le tueur. Donc, en fait, le petit gamin qui criait de... quand tu disais il souffrait et tout, c'était... C'est quand je fais clic droit. Attends, on va aller voir sur Internet pour lire la séquence, ok? Alors, près d'une semaine s'est écoulée depuis la découverte horrible et choquante du petit Timmy. Ah, donc tu vois, je t'ai dit 2 jours, une semaine. L'enfant de 11 ans se promenait sur le chemin du retour lorsqu'il a probablement été kidnappé. Sa mère a lancé un appel public au tueur pour qu'il libère son fils, disant qu'elle voulait qu'il rentre à la maison pour pouvoir lui cuisiner son plat préféré, le poulet frit épicé. Le corps du petit Timmy a été retrouvé 2 jours plus tard près de la forêt de Lockland. Il a été retrouvé vêtu de sa veste jaune et de son jean préféré, les mêmes vêtements qu'il portait au moment de l'enlèvement. Cependant, ses 2 bras et sa tête ont été détachés de son corps. On dit que le petit Timmy a probablement été kidnappé et torturé. Sa tête coupée a été retrouvée près de son corps, tandis que ses bras ont été retrouvés à une centaine de distance. Une autopsie a révélé qu'il avait été assommé avec un objet contendant, comme un marteau. D'où la séquence où on entend « prends le marteau, prends le marteau ». On pense également que le petit Timmy était peut-être en vie, alors que ses bras étaient coupés. Ce qui pourrait expliquer pourquoi ses bras ont été retrouvés plus loin de son corps. Petit Timmy a probablement couru sans bras pendant quelques minutes, appelant ses parents à le sauver, en vain, jusqu'à ce qu'il s'évanouisse à cause de la perte de sang. C'est le point que les tueurs ont rattrapé et lui ont coupé la tête. Ah, donc à ce moment-là, genre, il l'aurait chopé, coupé la tête. L'autopsie a également révélé que son dernier repas avait été du poulet frit épicé. Mais what the fuck? Mais c'est méga glauque. Liam, 18 ans, Drake, 19 ans, tous les deux ont été inculpés pour enlèvement, la torture et le meurtre brutal du petit Timmy après que la police ait retrouvé un enregistrement appartenant à Paul. Donc Paul, c'est nous. Également 19 ans, après avoir été admis à l'hôpital après un accident de skateboard où il est décédé de ses blessures quelques minutes plus tard. Les images vidéo les montrent tous impliqués dans l'enlèvement, la captivité, la torture et le meurtre brutal du petit Timmy. Ils ont déclaré lui avoir donné sa nourriture préférée avant le meurtre. Liam et Drake ont tous deux été condamnés à mort pour le crime. Paul, après je vois pas la suite, Drake recevait la déesse à 60 ans. Paul est mort d'un accident de skate. Donc mort d'un accident de skate parce qu'on a glitché nous dans les backrooms. Et donc nous on est mort dans les backrooms en fait. Donc en fait, le bail, c'est une histoire vraie, le chat il dit. Tiens, tu vois. Quoi? C'est pas une histoire vraie, les gars. Tellement d'histoires. C'est pas une histoire vraie. Je pense que c'est une histoire vraie, il y a des photos, ouais, mais après ça peut être une mise en scène, tu vois. C'est moi, en fait, du coup, quand on entendait... Attends, mais du coup, il y a tout qui se relie là dans ma tête. Toutes les fois, on voyait genre des personnages avec des longs bras. Des personnages avec des longs bras. Des bras qui sont voilà, toutes les têtes qui explosaient à chaque fois. Tous les personnages, ils se faisaient péter les têtes. Puis le personnage, enfin le monstre, il n'avait pas de bras. Pas de tête, pas de bras. Et il hurlait à la mort et il pissait le sang à chaque fois, tu sais, quand il savait. Et il courait, et en hurlant. Oui. Oh, oui. Il courait en hurlant, t'as raison. Comme dans la vidéo à la fin, quand ils sont en mode ouais. Reviens. Et t'as vu, à un moment donné, il pleure, mais c'est pas. C'est des pleurs, il souffre. Ouais. Si ça souffre, c'est là, c'est que c'était la fin. Oh, mais je suis choquée. Moi j'ai la scène en tête. Donc en fait tu te mais en fait le jeu en fait c'est un peu le purgatoire finalement les backrooms pour cette histoire dans le jeu. En fait le mec a glitch et en gros, il revit la souffrance, il est poursuivi par cet enfant en fait qui l'a tué. C'est un peu le dingue. C'est un peu les enfers, tu vois. Mais dans ce jeu-là quand il crachait du sang, tout ça n'était pas pour rien. Bah ouais. Bah... Non, je pense pas. Ah voilà, j'ai regardé. C'est pas une histoire vraie. J'ai regardé sur. C'est pas une histoire vraie. J'ai regardé sur Google et rien sur cette histoire. C'est bien ce qui me semble. Hein. Pour moi, c'est pas une histoire vraie le bail. Hein. Mais ça m'étonnerait même pas. Oui, mais c'est pas une histoire vraie. Mais par contre, en fait, maintenant, je comprends mieux. En plus, c'est horrible. Genre à la fin, avant le meurtre, ils lui ont donné son plat préféré, le poulet épicé. C'est horrible. Et comment ça, il avant de le but, bah parce qu'au début, oh, ils étaient pas... bah si, ils devaient être potes parce que tu vois des vaches joyeux anniversaire, il les sort d'où ça? Parce qu'ils étaient en mode, tu sais, des potes de la famille, machin, ah, tu vois. Ouais. Et après, ils l'ont chopé le petit et ils étaient en mode, bah vas-y, tiens, on va manger. Il est en mode, oh, oui. Et après, ils l'ont chopé et avec le marteau, ils l'ont défoncé. Ouais, alors par contre, ouais, maintenant, c'est le moment de parler du jeu. Donc, l'histoire, elle m'a choquée de ouf. Par contre, le jeu, il était très long. Normalement, tu le finis en moyenne en 1h30, 2h. Nous, on l'a fini en beaucoup plus de temps. Parce que toi, t'avais la souris, moi, j'avais le clavier. Là, à la fin, j'étais beaucoup plus vite quand j'ai récupéré juste le clavier et la souris à moi toute seule. Mais parce que normal... Là, t'as pas besoin de parler. Alors c'est pas évident quand toi t'as le clavier. Ouais, c'est ça. Donc là, on l'a vraiment fait à deux. On a vraiment joué le jeu à fond. Par contre, mais je suis choquée genre de l'histoire. Mais je trouve qu'à mon sens, il y avait trop de screamers à des moments. Tu vois, genre ça me faisait peur, ça me faisait sursauter et tout. Mais des fois, tu prenais des hurlements et le monstre arrivait. Mais du coup, c'est normal, ça criait tellement fort que le micro détectait les cris du coup du casque. Oh la vache! Et des fois, c'était trop. Et quand j'ai récupéré le cadre, tu sais que j'ai paniqué? J'ai récupéré le cadre, quand j'ai lu « Échappez-vous », je suis en mode « Mais je passe par où ?» Il y a pas de j'ai pas sauvegardé, je passe par où sans déconner? Franchement, à la fin, ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. Dans les flashs vidéo, à un moment, je crois qu'on voit le gamin avec un sac sur la tête Qui levait les bras, non? Je sais pas. J'ai pas fait gaffe. Qui levait les bras? Je sais pas. Non, on n'a pas retiré les screamers, on a joué en mode base, en mode classique. Ah bon? Ouais, on a dit en mode classique, j'ai pas fait nos jumpscares, hein. C'était en mode classique. Hein. C'était le jeu normal qu'on a fait. Ah, j'étais sûre que c'était... Ah non, bah non, justement, sans jumpscare, on n'aurait pas eu les trucs comme ça. Tous les cris à la noix, là, tout non-stop, ça, on n'aurait pas eu.